Mia, is there anything else that you could tell me about my accident? Honey, I know as little as you do. I know, but I was running from something. I don't know how to help you. Just do whatever it takes to survive, okay? Your memories might come back on their own. Yeah, well, maybe you're right. Over and out. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de Green Hell, mettez-vous dans le noir, mettez-vous bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors, écoutez, j'ai regardé un petit peu vos commentaires, merci à tous pour vos retours, on va pas parler d'un petit commentaire qui m'a irrité bien évidemment. Vous m'avez suggéré, eh bien tout simplement, de poser toutes les questions possibles à Mia, donc c'est ce qu'on va faire, voilà. Mia, just before the accident, you called me in the middle of the night. What happened? My lamp went out. I panicked. Pardon? Attendez, j'ai bien compris? That's it? Yeah, that's it. I know, given the situation you're in, my problems really don't seem like much, but I got scared, okay? Oh, I'm sorry. I didn't mean to offend you. It's not that. I just don't know what will happen to me if we don't get you out of there. Mia, come on. Don't say that. Let's just focus on getting you out safe and sound. Okay? Mais elle s'est foutue de ma gueule, les gars. En fait, quand on est allé la chercher et tout, genre à l'intro et tout, parce qu'elle était en panique et tout, elle veut nous faire croire que c'est juste parce que sa lumière s'était éteinte. Excusez-moi. Non, elle se fout de moi. Mia, before you called, I drank ayahuasca. It helped me remember our first days here, when you went to the village. What? Jake, don't ever do that again, it's dangerous. Besides, not all you see under its influence is true. But did you get to the village by boat? Yes. And you did take part in the ritual. That doesn't change anything. I'm afraid of what you might see. Just come back to me. Please. Let's leave the past behind. Bon les gars, I'm trying to, but I need to know what happened. Mia. Elle me répond plus. Mia? Bon les gars, je suis peut-être à côté de la plaque, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle me cache des choses et que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer et qu'à mon avis, il y a du gros foutage de gueule. Alors, les amis, ce qu'on va faire, il faut qu'on se rende là au secteur A2. D'après vos commentaires, il faudrait qu'on ait un grappin. Mais pour ça, avant toute chose, qu'on explore ou quoi, faut quand même qu'on se rende là-bas. Donc on va quand même y aller pour explorer et on va voir en temps et en heure si on a besoin d'un grappin ou pas. Et puis on ira fouiller. On va faire ça, les amis. Donc on va s'y rendre. En même temps, je vais d'ailleurs poser la dernière question. I saw a strange rock covered with tribal paintings. You think you could translate them for me? Do you remember what was on it? Two men, one black and one blue, with the stone between them. Were there any inscriptions? Oh, yes. Yes, there were. Can you describe them? Oh là, je me rappelle plus de ce qu'il y avait sur les roches. Ah non, mais je me rappelle plus, moi, de ce qu'il y avait. Ah non, mais les gars, je m'en rappelle plus. Allez, je vais dire au hasard. Oh, dash, T? It might be a sign for a sort of spiritual passageway. The natives believe their ancestor spirits still live in the jungle and can be reached through certain rituals. The passageway also prevents evil spirits from returning. Great, but that sure as hell doesn't help me right now. I need a sign for a physical passageway. Wait. I have an idea. Over and out. Examiner le roche-pin. Ah, j'ai un nouvel objectif, les amis. Donc il va falloir que je retourne ici à cette roche pour l'examiner. Ah, c'était pas ce que j'avais prévu. Pour le coup. Bon. On fait quoi en premier? Ouais, on va faire ça. Attendez, je vais manger le petit fruit. Hop. Non, je voulais le manger à la base. Manger. Hop.
Voilà. On va aller examiner le rocher alors. On va aller examiner le rocher avant toute chose. Bon, visiblement, l'Ayahuasca, là, le truc qui nous a fait retrouver nos souvenirs, apparemment c'est dangereux, d'après Mia. Faudrait pas que j'en reprenne. C'est bizarre, elle veut juste me cacher des choses, hein, de toute évidence. Elle veut me cacher des choses du passé, c'est assez particulier. Je sais pas si j'ai le bon feeling. Franchement, je sais pas. Je sais pas si j'ai le bon feeling. Je suis bien tenté de me faire un arc, les amis. Il serait temps que je m'en fasse un, de toute évidence. Alors voilà, je vais casser une grande branche. Là, il y en a une ici. Hop. Et on va se crafter un arc. Je pense qu'on en aura vraiment besoin. Alors, j'ai tous les crafts à côté de moi, les amis. Vraiment. Donc, fabriquer. Il me faut. Alors attendez, j'ai tout à côté de moi. Un long bâton et de la corde, tout simplement. Évidemment, je n'ai pas de corde. Évidemment, mais j'en ai juste ici à côté. Hop. Voilà. Alors, long bâton, fabriquer, corde, arc. Voilà, ça me fait un petit arc. Ok, emplacement 4, solidité 43%. Vous voyez, c'était vraiment très utile d'avoir fait plusieurs crafts. Au moins, j'ai une meilleure solidité. Je vais pouvoir prendre des petits bâtons, fabriquer. Normalement, j'ai des plumes. Et donc, je vais pouvoir me faire des flèches, tout simplement. On va s'en faire plusieurs. Et on pourra partir à l'aventure, tout simplement. Voilà, je me prépare un petit peu. Vous m'aviez aussi proposé de faire des armures en feuilles, c'est pas mal ça. Donc on va voir pour faire ça également. Fabriquer, on va s'en faire une dernière. Voilà. Alors les armures en feuilles, c'est comment? C'est une feuille de bananier et deux cordes. Voilà. Donc j'ai des bananiers à côté de moi, je vais juste prendre les cordes. Alors. J'entends une araignée ou une... Ok, c'est un serpent. Ok, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de l'avoir vu. Ok. Bon les amis, on est parti pour un épisode un peu plus long que les autres, hein. Je vais vous le dire, on va vraiment partir sur un épisode un petit peu plus long pour qu'on ait un petit peu plus le temps d'examiner les choses et de se faire plaisir. Donc j'espère que ça va vous plaire. Pour m'encourager, bah les gars, franchement, likez la vidéo. Vraiment. Ok, il y a des indigènes là. Je sais pas s'ils m'ont vu. Et moi je les ai vus, ils sont buggés. Chaque fois ils sont buggés, c'est bizarre. On va oublier de faire... on va pas faire l'armure pour le moment. On va faire profil bas. Hein. Je pense que c'est pas le moment de faire trop de bruit. Putain, il m'a fait peur ce con. On est 47-27. Faut que j'aille direction nord là maintenant. Faut que j'aille direction nord par là-bas. Allez. Alors faut pas oublier, les léopards ils sont méchants. Enfin les jaguars. Par contre les sangliers ils sont gentils. Tu es encore jamais passé par là? Je connais pas ici. Donc on va découvrir dans le plus grand des calmes. Là le but du jeu c'est qu'on retrouve le village indigène. Pour qu'on puisse aller voir le... Ok il est là-bas le village. Donc faut continuer par là-bas je m'en rappelle. Par contre par là il y a du jaguar. Hein. Ça faut faire attention. Je vais prendre mon arc. Comment ça marche? Comme ça? Ok. C'est par là-bas. Le rocher est par là-bas, les amis. Si j'ai une bonne mémoire. Non, il est par là-bas. Je sais plus. S'il est par là-bas. Je crois qu'il est là. Hein. Oh. Récolté. Enfin, je me suis trompé, c'est pas ici. Par là-bas. Je prends mon temps. Je parle pas trop. Je vous laisse un peu profiter. D'ailleurs, pour ceux qui du coup se demandaient pourquoi je faisais pas cette série en facecam, bah, je voulais tout simplement changer. Pouvoir être libre un peu de faire des têtes. Comme ça, vous voyez pas ma tête et puis vous profitez à fond du jeu. Tout simplement. C'est bien par là. Ouais, je me rappelle. C'est ici.
Là, on va pouvoir examiner le rocher. Donc je cours pas, les amis, hein, pour des raisons logiques. Est-ce que j'ai faim ou pas? Franchement, j'ai pas besoin de manger. What? Y'a plus le rocher? Ok. Oh les gars, le rocher il est plus là. Non mais c'est quoi ces conneries? Nouveau dialogue déverrouillé. Mon, le rocher il a disparu. Yeah. The rock I mentioned earlier is gone now. I don't know what happened. Are you certain? Bien sûr. You're in the right mais pour prendre pour un connard. Yes, I'm positive. Okay. I'm lost for words. Well, regardless, now I can get through here. I'll contact you if I find anything. Just be careful. Ouais, c'est ça, ouais, fais attention, c'est ta faute si je suis là. Non, t'inquiète pas, je deviens pas fou. Donc, qu'on soit bien d'accord, donc c'est là qu'il y a le rocher, ça nous... Ouais, du coup, là, on va pouvoir se balader par là et tout. Mais moi, je vais aller au A2. Alors, en vrai, vous savez quoi, on va continuer de se balader, on va suivre le chemin et tout, d'accord? En vrai, on va faire ça. Je sais que quoi qu'il arrive, s'il nous faut un grappin, le grappin, il est vers là-bas. Donc, en vrai, on peut en profiter pour se balader. Vous savez quoi? Voilà, on va se faire un petit épisode où on se balade. C'est peut-être pas une bonne idée. Mais il le faut. Faut qu'on découvre un peu des trucs. C'est énorme. Alors, il y a plein de champignons qu'on peut manger sur le chemin. Donc, c'est sympa. On va suivre ce chemin. J'ai un peu peur de ce qu'on pourrait croiser. Vraiment, là, on connaît vraiment rien d'ici. Si je trouve une noix de coco, ce serait bien. Parce que vous m'avez donné une astuce, c'est de faire une gourde. Et ça, c'est vraiment une bonne idée de faire une gourde. Bon, je mange. Ce qui serait sympa, c'est de trouver un petit coin pour se reposer aussi. Faudra voir. Sympa par ici. Ok, là, il y a une noix de coco. Là, on a une noix de coco. Alors, je vais la ramasser. Alors, comment on peut faire... non, on peut pas la... Comment on fait pour la fabriquer? Pour faire une gourde? Attendez. J'ai tous les crafts à côté de moi. Gourde, il faut une noix de coco et de la corde. Bah, attends. Voilà, fabriquer. Je prends une corde et ça me fait un bidon. Ok. Et je fais comment pour la remplir? Je ne sais pas. Allez, on va traverser. Peut-être pas une bonne idée. Attendez, je regarde où je suis. Direction nord, 48-22. 48-22, je suis ici. Je vais aller par là-bas. Je vais aller vers la droite. Je vais longer l'eau. En vrai, limite, je me sens presque plus safe sur les bordures. Je sais pas si c'est une bonne impression. Le soleil va se coucher. On commence à moins voir. Là-bas, il y a un... C'est quoi ça? Ils sont gentils ou pas, ça? C'est gentil ou pas? Ça a pas l'air méchant. Ouais, c'est bon, c'est gentil. Ils ont peur de moi. Oh putain. Ok. Par contre, il y a des guêpes pas loin. On va faire gaffe aussi. Oh, il y a une cascade. Stylé. Allez, on va continuer par là. À tout moment, on peut se crafter un lit si on veut. Hein. Oh. C'est mignon par ici pour se reposer en vrai, non? On pourrait se faire un petit campement là, les gars. Je pense. On va faire ça, les gars. On va se faire un petit campement parce que si je le fais pas maintenant, on va mourir. Petit abri, lit en feuilles. Permet de sauvegarder. Corde, feuille de palmier, il en faut 26. La flemme. Feuille de palmier, 13 huttes. Vas-y. On va faire ça. Là, il me faut des bâtons. Dans un premier temps. Donc, on va vite faire ça. J'ai encore de la force, donc on va en profiter.
Ouais, t'épuises pas trop non plus. Hein. Hop. Voilà. Le soleil va se coucher. Moi, je commence à fatiguer. C'est pas mal. Si je suis bon dans le timing, ce serait fantastique. Je vais garder ce long bâton, j'en aurai besoin. Attends, où c'est que j'ai... Là, j'ai des bâtons. Les gars, j'ai trop peur de pas avoir assez de... Parfait, un long bâton. Allez. Je parle pas trop, encore une fois, je le répète. Hein. Voilà, long bâton maintenant. J'en ai deux là. Il m'en faut encore un. Il faudra des feuilles de palmier. Ah putain, ça me donne pas de bâton. Bon, je suis entouré d'animaux gentils par ici, c'est pas mal. J'ai plus de force, putain. Ok, c'est bon. Mon bâton. Je vais quand même éviter de courir. Et là, il me manque plus que... Voilà, des feuilles de palmier. Ça, c'est des feuilles de palmier, ça. Non, c'est du bananier, je ne sais plus. Palmier, c'est quoi? On va voir. Est-ce que c'est ça? Palmier, c'est bon. T'inquiète, mon pote, tu vas te reposer bientôt. On devrait pas avoir trop de problèmes. Ok, encore quelques-unes. Là, il commence à faire nuit noire. Mais on va bientôt pouvoir dormir. Voilà. Hop. Le feu, c'est pas important pour le moment, hein, vraiment. C'est pour la santé mentale, le feu. Et la santé mentale, on est bien. Par contre, je commence à être sale. Donc, faudra que je me lave. Oh, il m'en faut encore une. Voilà. Parfait. Donc là, je peux même sauvegarder. Et c'est ce que je vais faire, les amis. Je sauvegarde direct. Est-ce que je vais me laver maintenant? Bah écoutez, on va dormir. De toute façon, j'ai sauvegardé si jamais, donc... On va dormir. Se reposer un peu. Voilà. Je vais me réveiller. Voilà. Faut pas dormir trop longtemps. Là, écoutez, on va descendre se laver. Par ici, c'est safe. Donc ça, c'est cool. Regarde juste ma smartwatch. Ça va, je suis bien. Je pense que je peux remplir l'eau en bas avec ma gourde. Vous m'aviez aussi dit que si on faisait chauffer de l'eau, si on faisait bouillir de l'eau, bah ça permettrait d'avoir de l'eau potable. Ce qui est pas trop mal. Je la prends. Comment je fais pour se laver? Ah oui, je vais me laver. Ah, faut que je m'examine. J'aime pas ça. Ok, j'ai juste une sangsue, c'est bon. Comment je fais pour remplir la gourde? Je comprends pas. Attends, ça je veux détruire, on s'en fout. Alors, je vais un petit peu manger. Ça me fera du bien. Bon, on va se faire un petit feu. Histoire de faire cuire un peu de nourriture. Histoire de se mettre bien. Un petit long bâton, je vais le prendre. Il y en a un deuxième. Ça peut toujours être pas mal. Putain, il m'a fait peur, ce con. En vrai, je pense ici, je suis à l'abri. Hein. Je pense que j'ai trouvé un petit coin safe. Parce que même si là, on m'attaquait, je pourrais vite plonger dans l'eau. Hein. Je pense. Allez, carnet. On peut fabriquer un feu. Alors, on peut même fabriquer un cercle de pierre, du coup. Ce que vous m'aviez appris, c'est pour faire plus de... Tiens, je vais faire un séchoir. Long bâton, corde, petit bâton, aiguille en os. Est-ce que j'ai ça au moins, aiguille en os? Je sais pas. Hop. Ah, il faut beaucoup de long bâton, par contre. Comme ça, on va pouvoir faire... étendre la nourriture. On est vraiment dans un terrain très hostile. Hein. L'avantage, c'est que là, au moins, on a un petit point de save. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me dites... Je parle pas trop fort, hein, c'est normal. J'aimerais bien que vous me dites, les amis, si les indigènes, ou si au fil du temps, les huttes peuvent se casser ou pas.
Et du coup, ça veut dire que ça me ferait des points de save infinis. Et ce serait vraiment bonne nouvelle, quoi. Par contre, toi, les bûches, ça m'intéresse pas. Moi, je veux des longs bâtons. Ouais. Je trouve où les longs bâtons, moi, là, il y en a là. Hop. Je suis pas le mec le plus serein, hein. Je pense que ça s'entend. Alors, je vais d'abord prendre les bâtons. Là, j'ai des longs bâtons à prendre. Non, non, attends. Chaque chose en son temps. Voilà. Oh, ça m'embête, ça. Voilà. J'entends des bruits, c'est pas très rassurant. J'ai cru entendre un loup-garou, en fait. Il en faut encore beaucoup. La banane, elle est périmée quand? Ok, ça va. La viande crue, bah ouais, il faudrait que je la fasse sécher. Non, mais en vrai, priorité au feu, hein, pour que je fasse cuire. Parce que le temps que je fasse le séchoir, les gars... De toute façon, le feu, il se fait rapide. Ah, j'ai plus de petits bâtons. Ah, ma hache, elle s'est cassée. Ok. Faudrait que je refasse une hache. J'ai plus de bâton. Là. Tiens, là j'ai un long bâton si jamais. Il faut encore un petit bâton là. Enfin, un bâton normal. Là. Impeccable. Ok, c'est bon. Avant toute chose, les amis, il faut que je me refabrique une hache. Fabriquer. Je sais même plus comment on en fait. Faut utiliser de la pierre affûtée normalement. Bah écoutez, hop, pierre affûtée. Et puis je sais plus c'est quoi qu'il faut. Ah, il faut de la corde. Ah, la corde, mais il doit y en avoir là. Là. Ah ouais. Parfait. Je vais m'en mettre par ici, ça me rassure un peu plus. Fabriquer. Corde, bâton. Ah non, ça me fait une pioche, ça. Ah ouais. Une hache en pierre. Ah, c'est juste bâton et petite pierre. Ah, je suis un imbécile. C'est pas grave. Au mieux, ça. Ah, mais j'ai pas de pierre. Cendre. Ah si, j'en ai là, pierre. Hache de pierre, hein, j'ai de la chance. Ok. Solidité, 59%. Bon, écoutez, on va allumer le feu. On va se faire remarquer de ouf là. Mais bon. Allez. En plus il pleut. Mais ça aurait été pas mal d'avoir des noix de coco pour boire. Enfin, parce que du coup avec mon bidon, je sais pas comment ça marche. Je pense qu'il faut que je le remplisse directement. Alors. Ah, c'est bon ça. Ah, je peux pas en mettre plus. Bah du coup. Qu'est-ce que je peux faire en attendant? Ah bah attendez, j'ai des longs bâtons là du coup. Hop. Impeccable, il m'en faut encore deux. Encore deux longs bâtons, les gars. Attends, ça c'est des bâtons normaux, je vais les prendre. Ah, là j'ai un long bâton. Hop. J'aurais pas un deuxième long bâton, ce serait génial ça. Ah, le feu il s'éteint, putain, bâtard. C'est pas bon ça. Bon, faut attendre que la pluie s'arrête, hein, pas le choix. Là, j'ai un long bâton. Oh, j'en ai de la chance. J'en ai de la chance. Ça y est, plus. Hop, alors attendez. Priorité sur le feu. Là. Ça va, je commence plus ou moins à maîtriser les trucs de base. Après, forcément, je suis loin d'être le meilleur, hein. Hop. Et du coup, je te demande de me faire cuire ça, mon ami. Alors là, il manque quoi? Des cordes. J'en ai plus, forcément. C'est quoi ce bruit? J'ai entendu des bruits bizarres. Je sais pas.
mais ça m'a fait très peur. On va prendre des cordes, il n'y en a plus là. Hop. Je suis pas très rassuré. Bon, ça c'est pour faire la ayahuasca ça. Hein. Ah non, si c'est des lianes, c'est bon. Ouais, ça c'est pour faire la ayahuasca, je sais pas quoi là, comment ça s'appelle. Il y a énormément de choses à explorer. Hein. J'ai plutôt hâte. Ok. Mange. Ok. Ah, je commence à avoir soif un peu. Bon, le séchoir. Je peux pas le finir malheureusement pour le moment. Alors ce qu'on va faire, dans un premier temps, je vais save. On va dormir pour faire passer la nuit, d'accord ? Et puis on va continuer notre expédition, d'accord ? Voilà. Et ben c'est parti les gars. On va continuer notre expédition. Par là-bas. Et on va voir ce que nous réserve la suite. Là, des petits champignons. Parfait. Ah, en fait, j'ai vraiment soif. Ça, c'est problématique. Je vais manger banane, ça me donne à boire, non? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qui pourrait me donner à boire? Des baies? Champignons inconnus? Non, je sais pas. Il y a rien qui pourrait me déshydrater, là. Fais gaffe, si jamais on voit une noix de coco, ce serait fantastique. Hop, les lianes, je prends. Niveau place, sur moi, je suis bien. Franchement, je suis pas trop lourd. Donc ça, c'est cool. Je continue un peu de longer cette falaise. Franchement, je me sens vachement à l'aise en longeant les falaises. Ouah, on est où, là? Ça, c'est ouf. L'avantage c'est que je connais à peu près le chemin que je fais, donc si je dois faire le chemin sens inverse, je pense que j'y arriverai. Ok, alors ouais, du coup bon, l'armure en feuille, je verrai pour la faire. Là on va pas le faire là en plein milieu de... J'entends des bruits. Ok, il y a un sanglier là-bas. Mais lui, à mon avis, il est méchant. C'est pas les sangliers qui avaient peur de nous, ça. Ça, c'est des sangliers méchants, ça se voit. Lui, il te charge, il te bute. Hein. Oh, le serpent. Non, c'est un crabe. Non, une araignée, je sais pas ce que c'est. C'est une araignée. Ok. On est l'araignée que j'ai eue là. Ouais, je peux la... Ah non, je peux la manger. Jamais de la vie, je la mange. Enfin, pas cuite. Hein. Je la mangerai peut-être cuite. Ça doit être bon. Je pense que ça doit être bon. Mais là, comme ça, il doit y avoir du venin ou je sais pas quoi. Je vais pas tenter. Ça, c'est beau par ici, les gars. Oh, c'est magnifique. Ce jeu est magnifique, mais... Qu'est-ce que c'est compliqué. Je suis en train de m'éloigner super loin. Ok, je peux pas choisir de dialogue. Oh, c'est beau. Faut que je fasse gaffe, hein, pas que je m'émerveille trop. Je check juste le journal, ce que je dois faire. Ouais, je dois juste aller voir le lieu lambda 2, hein, on est bien d'accord. Ça, c'est le prochain truc qu'il faudra faire. Mais tant qu'on y est, qu'on est en pleine expédition. Ah oh, ouais. Mais en vrai, si j'ai bien compris, les indigènes, ils sont pas méchants. Genre, ils auraient peur de nous, mais... Ouais, je commence à... Oh, il y a une noix de coco. Oh, putain. Au bon moment, j'ai soif et tout, il y a une noix de coco qui vient de tomber. Alors, on va direct la prendre. On va pas trop se précipiter non plus. Ah, oh, c'est bon, ça. Hop. Oh là là, quel plaisir. Je vais boire, direct. Je vais ensuite... Non, je voulais pas faire ça.
Je vais la casser en deux. Voilà. Chair de coquille. Mais attends, je peux la manger alors. Hop, manger. Manger. Oh merde. Ah si, c'est bon. J'avais pas vu, ils sont là. Oh, j'ai eu peur. Très bien, comme ça, dès qu'il pleuvra, on pourra se faire plaisir. Ok, il y a un ours. Il y a un putain d'ours. C'est un ours? C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Et par contre, c'est pas stable du tout l'arc. Genre là, je fais rien avec ma souris. Ok, je sais pas c'est quoi comme animal, mais j'aime pas. Oh, y a des bambous. Méga style. Waouh, les perroquets. Et franchement, la jungle, c'est beau. Y a pas à dire. Y a pas à dire, c'est vachement beau. Alors, 40-23 direction sud. 40-23. 23. 40. Je suis ici. Eh, hey, salut toi. Faudrait que j'aille direction nord. Allez par là. Je sais pas, hein, je... Je me balade. Ici c'est un petit coin où on pourrait se poser. Bâtard. Attends. Voilà, je m'entraîne un peu à l'arc. Je suis pas spécialement détendu. Hein. Il y a une plume par terre, attendez, c'est bon ça. Hop, fais gaffe pas que je me charge trop. Je pense que plus tu vas tirer à l'arc et plus tu seras précis donc. On va continuer dans cette direction les amis. On verra jusqu'où ça nous mène. C'était quoi ce bruit? Attendez parce que j'ai vu un truc intéressant là ici. Des bananes. Parfait. Tiens, on va en prendre aussi. Ok. Ce serait vraiment dommage de se faire infecter maintenant, quoi. Oh, on a une belle vue là. Attendez. On va manger, on va avoir une belle vue. Oh. Putain. C'est beau. Ah vraiment? Écoutez, on va continuer par là. Wow. En vrai, il y a moyen qu'on trouve en plus le grappin sans vraiment le vouloir. Que... En fait, je m'étais renseigné, c'est apparemment près d'une Jeep. Genre une voiture retournée, donc faudra voir si on peut la trouver. Putain, je sais pas où on est. C'est énorme. Et mais c'est ouf. La map est gigantesque, hein, vous vous doutez bien. On va continuer par là. Direction est, 38-21. Alors, 21, 38, 21. Je suis là et je vais direction est. Ah, c'est pas bon ça. Faut que je retourne direction nord-ouest là. Je vais aller par là moi. Nord-ouest, c'est par là-bas. Je vais aller là-bas, moi. Il pleut, attendez, je vais en profiter. Hop. Voilà. Ok, les bananes. Bon, on va manger, hein. Attends, quoique. Non, c'est juste la soif qu'il veut. Et il voudra manger un peu de viande aussi. Vas-y, bois. Et je pense que si je prends ma gourde. Ah ouais, voilà. Parfait. 1 sur 40 d'hydratation. En fait, je peux remplir ma gourde au fur et à mesure. Hop. Ah ouais. Je peux même en renverser si je veux. Ah mince, j'en ai renversé. C'était pas ça que je voulais faire. Ouais. Faut pas que je confonde les symboles. Voilà, ça c'est pour renverser ce symbole là, d'accord. Sans là, il pleut plus. Non. Ok. Heureusement, je l'ai pas détruit. Ok. Bon, du coup, on va descendre et on va traverser cette faune et cette flore directement.
Je sais pas si c'est une très très bonne idée. Mais autant en profiter. Par contre, faut que je m'examine. Oh, c'est des biches. Oh. Ça dégage, ça. Ok, ensuite. Ouais, je pense que c'est pas méchant. Là, par contre, si je saute, je meurs. Hein. Je pense. Attends, j'essaye. Doucement, on la glisse. Voilà, c'est bon. Je suis gentil, ne m'attaquez pas les méchants si jamais il y en a. Je mange des champignons. C'est gentil ça ou c'est méchant? Salut. C'est bon. Bon, la plupart des animaux, ils ont l'air gentils. Un escargot. Je vais la prendre. C'est mignon par ici. Je suis sûr l'eau là elle est potable. En vrai l'eau elle est pas potable ici. On va éviter. T'es gentil toi hein. Ouais t'es gentil. Y'a un jaguar. Y'a un jaguar non? Oh non. Un gros sanglier, non? On s'en fout du perroquet. Il y a des bruits que j'aime pas trop. Une noix de coco. Putain, mince, pardon, je voulais pas mettre pause. Allez, direct. Attends. Voilà. Manger. Parce qu'en même temps, ça nous donne à boire, non? Ah non, pas du tout. Allez, je prends direct. Ah, j'ai plus de place, putain. Là, ça commence à devenir craignos. Je peux pas stacker des trucs. Ah non, je peux pas stacker. Comment je peux faire de la place, là? Ouais, fuck, c'est pas grave. Oh putain. Vous l'avez entendu, hein? Oh, il y a plein d'asticots. Je les prends ou pas? Allez. Bon, il y a un indigène dans le coin. Carte, nouveau lieu. What? Oh shit. Ok. Alors attendez. Carte, on est où? On est là? 37, 20. Ok. 37, 20. Ah ouais, 37, 20, mais moi je veux pas aller là en plus. Ok. Eh ben, je pense qu'il faudra fabriquer un pont. Oh. Ouais, mais moi là où je veux aller, il y a des indigènes. J'aime très peu l'idée. Ça c'est méchant ça. Ça j'en suis sûr, ce sanglier il est méchant. Ils sont plusieurs en plus. Ça c'est méchant. Putain j'entends les babalous. Attends mais là y a trop de méchants autour de moi. Entre les sangliers dont je suis persuadé qu'ils vont m'attaquer. Et les babalous. Je rappelle que les babalous c'est les indigènes, hein, je les appelle comme ça. Là j'entends un nid d'abeilles. Je vais continuer en longeant. En vrai c'est pas mal de longer les... Au moins t'es sûr qu'il y a un côté qui est sécurisé tu vois. Enfin, plus ou moins quoi. Ok. On s'en fout du toucan. Oh. Ok, je vois les indigènes. Je les ai en ligne de mire. Il est assis. Il est seul ou pas? Ah, il chante très bien par contre.
sais pas s'il est seul ou... Ok, ils sont plusieurs. Ouais, ils sont plusieurs. On va les laisser dans leur délire. Oh là là, comment on fait pour les... Ah, j'ose pas les rencontrer, moi. Et je vais continuer, hein, du coup. Expédition sauvage, hein, comme on dit. Et... Oh, on a une petite vue, là. Alors, 37-17. Dis-moi que c'est intéressant. 37-17. 17. 37, mais je suis là. Ah ouais, attends, il faut que je longe. Il faudra encore que je longe, là. Et que j'aille vers là, et ce sera, je pense, intéressant. Vas-y. On va faire ça, les amis. En fait, on est en train de faire le tour de la carte. Enfin, en tout cas, de la carte qu'on a, quoi. En tout cas, moi, je me questionne beaucoup sur cette histoire, parce que... Waouh, elle a failli m'attaquer. Parce que Mia, elle me cache des choses. Et ça ne me plaît pas. T'as soif? Attends. Mince. Bon, j'ai posé le bol. Attends, j'ai un bol qui a disparu, les gars. Bon, je sais pas. Là, je peux boire, par contre. Ok. J'ai trop peur qu'ils viennent me voir, par contre, les indigènes. Bon les amis, j'espère que ça vous plaît, hein, cet épisode. Il est vraiment très très calme. J'ai pas envie de dire qu'il est chill, pour le coup. Peut-être que pour vous c'est chill, bon pour moi c'est pas trop chill. Hein. Attends, mais j'ai perdu une noix de coco, sincèrement. J'ai vraiment perdu une noix de coco, les gars. Et vous pensez qu'à l'arc je peux le buter, le truc là? Attendez. Vas-y. Ah, je l'ai foiré, putain. Fuck. Bon, allez, je vais boire. Ouais, on va repartir. Ah bah c'est bon, j'ai les trois noix de coco. Chelou. Allez, on va descendre. Wouah. Mais attendez, mais... En fait, ce jeu est magnifique, j'ai juste envie de me poser et faire des screenshots. Mais genre pas forcément faire une aventure parce que ça me fait peur, hein. Attendez, là je crois qu'on a un panorama, les gars. Oh. Waouh. Là t'as juste envie de prendre un wingsuit et t'envoler. Oh, c'est beau. Mais attendez, là je comprends pas où on est, quoi. 39-16. 39-16. 16. 39. On est là. Je comprends pas. Ah, on est en bordure là, c'est ça? Faut que je longe, quoi. Ok. Bah, go longer, hein. Go longer. Par contre, je commence à fatiguer. Ici, ce serait un coin safe, je pense, pour dormir. Donc, je vous propose un truc. Si c'est possible. Carnet. Est-ce que je peux? Alors, peut-être faire une hutte. On pourrait faire une hutte ici aussi. Ok, là je peux pas. Trouver un emplacement disponible. C'est sérieux, je peux pas faire une hutte ici? Eh les gars, je suis interdit de faire une hutte ici, genre il me propose même pas le... Ah, ça y est. Là j'avais pas le droit. Ah ouais. Mais t'es sérieux? Ah là, ici, parfait. Mec, régale-moi. Il me faut encore des bâtons. Là. Putain, des bâtons. Là, il y a une autre coco. Petit bâton. Là, un bâton. Ici, en vrai, c'est un petit coin safe. Également pour save, c'est vraiment pas mal. Et si on peut faire des points de save assez régulièrement, ce serait vraiment génial. Alors, des longs bâtons. On va s'en faire. Ok. Arrête de t'épuiser. Ensuite. Là, ça aussi, je peux... Non, mais ça va me faire une bûche, ça. Ça sert à rien que j'essaye.
parfait. Long bâton. J'en ai un là-haut, attendez. Long bâton. Et je dois en avoir en bas du coup. Long bâton, parfait. Corde, feuille de palmier. Ça c'est du palmier ça. Ça c'est du palmier les gars. C'est bien, c'est que ma pierre affûtée est vraiment solide, donc j'ai vraiment de quoi faire. Je suis essoufflé de ouf par contre. J'espère que j'aurai assez. Parce que sinon, ça va être très vite chiant. Alors j'ai un petit peu mal au ventre, je vais pas vous mentir, là je tourne cet épisode, j'ai mal au ventre, je suis vraiment dans une pression totale, il m'en faut encore 3. Sincèrement là. 1. J'en ai qu'un seul là. Attendez, mais je peux casser ça je pense. C'est du palmier ça. Voilà. C'est un tas de petites feuilles. Je suis deg. Là je suis très deg. Là j'ai... il m'en manque 2 frère. 2 et c'est bon. Oh là là. Où c'est qu'il y a du palmier encore? Là. Non ça c'est du bananier. Là il y a du palmier là c'est bon. On est sauvé. 2. Là j'ai plus de force. Allez. 1. 2. C'est bon. C'est bon j'en ai assez. Et je vais pouvoir dormir en toute sérénité les gars. Et ça, ça fait plaisir. Et je vais surtout pouvoir save. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Alors direct les gars. Je vais sauvegarder. Ensuite. Bon, est-ce qu'on, pour le moment, on n'est pas obligé de dormir. Je pense que... on va réfléchir... ouais si on va aller... ah mais si je dors il va faire nuit, attends autant réfléchir à ce qu'on va faire maintenant. Niveau ok ça c'est bien. Écoutez je vais disposer mes noix de coco. Dans le cas où il pleuve cette nuit. Voilà. Je pourrais me faire un petit feu. Bon s'il pleut le feu s'éteindra malheureusement. Là. Ouais mais là je vais être trop cramé alors, genre tout le monde va voir le feu. Donc je vais rien faire du tout les gars. Et je vais juste dormir en fait. Je vais juste dormir. Ouais, il faut que je reprenne des forces là. Il pleut. Je vais me réveiller. Là, je suis plutôt tranquille. Pourquoi il y a des lumières vertes là comme ça? C'est des champignons fluorescents ou quoi? Faut croire. Ok, ils sont bons. C'est beau en tout cas. Hein. Franchement, c'est beau. Alors, j'avais une noix de coco, elle est où d'ailleurs? Elle est là. Donc, pareil, je vais la casser, puis je vais la manger en fait. Hein. Manger, prendre. Manger, prendre. C'est parfait. Je vais pouvoir remettre des noix de coco par terre. Et comme ça, je vais pouvoir remplir ma gourde aussi. Ça, c'est parfait. Il fait nuit, on voit pas grand chose, mais... c'est comme ça, les amis. Je vais pas allumer un feu, ça sert à rien. Après, je risque d'être vraiment dans le mal. Oh, c'est quoi ça, là-bas? Ouais, ça fait genre des lumières bizarres. Bon, dans tous les cas, on va y aller. Hein. C'est par là-bas qu'on va aller. Je pense que c'est des cascades d'eau. C'est stylé. Franchement, je sais pas d'où on vient. Oh, mais il y a des baraques en bas. Regardez, il y a des maisons. J'avais même pas vu. Je crois qu'il y a des maisons en bas. Putain, c'est... c'est fou. C'est fou, c'est fou. Eh ben, go redormir. Comme on est vraiment pas mal. On va faire gaffe à la santé. Si possible, on se réveille à 5h. Si je meurs pas, c'est bon. Voilà. Là, le soleil va se lever tranquille. Hein. 5h du mat. Là, je vais pouvoir boire. Ils sont où, notre coco, là. Boire. Boire, on en est où, là?
J'ai encore... Attends, déjà je vais prendre. On en est où? Ok. Ah là c'est de la viande qu'il voudrait là mon gars. Bon on va faire un feu alors. Après il pleut là de toute façon. Il pleut mais comme ça on commence bien la journée, on mange. Il faut encore des petits bâtons putain. Bâton. Attends. Ça va pas ça. Hop, des petits bâtons. Ah, il faut des bâtons normaux. Hop. Là. Ça va, on a pas mal de bâtons à proximité, je crois. C'est des petits bâtons. Bâtons. Je veux des bâtons. Des bâtons normaux. Pas de chance ou quoi? Feuille de palmier, c'est fou ça. Putain, mais j'ai la flemme de casser des arbres. Voilà. Hop. Non. Ça, c'est terrible, c'est quand tu vises mal. Ouais, c'est bon, j'ai assez. Allez, casse en deux. Voilà. Bah les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode, histoire de garder un petit peu de suspense pour la suite de l'aventure. J'espère vraiment en tout cas que ça vous a plu cet épisode. Vraiment grave long, vraiment un peu de pression, on va pas se mentir. Donc on va s'en arrêter là les amis. Oh non, mes bananes elles vont être pourries, vite, mangez. Ah celle-là elle est pourrie, je suis deg. Bah je vais la détruire. J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, eh bien je vous invite encore une fois à laisser votre petit pouce bleu, ça m'encouragerait, ça me ferait extrêmement plaisir. Et nous, on se retrouve eh bien, très vite pour le prochain épisode, tout simplement. C'était Mkolo. Ciao, ciao tout le monde.